C'est en 2017 que Didier Crinq a lancé l'écurie Vivaldi avec l'envie de partager sa passion du cheval et des courses avec des néophytes. Quelques années plus tard, et après avoir volé de succès en succès, Vivaldi s'est ouvert au monde du CSO en créant une écurie de groupe Jumping à l'image de celle des courses hippiques. Mardi 7 décembre, après les ventes d'élevage, il réunissait tous ses actionnaires à Deauville, aux Franciscaines. C'était la première fois qu'on mélangeait les deux écuries, puisque la deuxième écurie, celle de Jumping, on l'avait créée début 2020. Avec le Covid, forcément, on n'a pas eu d'événement, donc c'est le premier événement commun. Les gens étaient ensemble, je crois que tout le monde était ravi, et puis l'endroit était absolument... L'endroit, les Franciscaines, c'est quand même un endroit fabuleux, quoi. Partager cette passion dans une écurie dite de groupe, c'est l'idéal. Alors ça fait des décennies qu'on essaie de trouver des modèles pour les écuries de groupe, et on a un mal fou, c'est très difficile. Et là, Didier Crinq, il a vraiment inventé un truc. Il n'y a rien de plus merveilleux que de réunir les mondes et les mondes des champions. Quand il arrive à faire Didier Crinq se réunir Jean-Claude Rouget, Kevin Staut, c'est les tops, chacun dans leur job et chacun dans leur passion. Mais la passion fondamentale, c'est le cheval. Lancée depuis un an, l'écurie Vivaldi Jumping a beaucoup d'ambitions sportives, mais voit encore plus loin. Le but est surtout de réunir deux mondes bien différents mais qui ont beaucoup à gagner à s'unir. Et qui de mieux pour les rassembler qu'un champion olympique comme Kevin Staut ? Ce soir, ça marque la réunion et la passerelle qu'on essaye de fonder depuis quelques années entre le monde des courses et le monde des sports équestres. Je pense que les deux mondes sont très complémentaires pour plein de raisons. Et grâce à Didier, tout s'est accéléré. On a réussi à monter un modèle d'écurie de groupe comme ce qui existe dans le monde des courses. On a besoin, en France, dans les sports équestres, de nouveaux investissements parce qu'on a eu une grande période de sport avec des médailles dans les différents championnats, avec en point d'orgue la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Et après, il y a eu pas un manque d'intérêt, mais je pense un ralentissement. On a un gros objectif sportif, nous, c'est les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent bientôt. Et voilà, il faut arriver à fidéliser les gens, à les conquérir et à les convaincre que le sport et les sports équestres, c'est un atout. En attendant les prochains Jeux Olympiques, il était temps de se faire rencontrer les acteurs de l'écurie Vivaldi, qu'ils viennent des courses ou du sport. Jean-Claude Rouget et Christophe Ferland, deux ténors du plat, dans la même pièce que Kevin Staut, voilà qui pouvait sembler irréalisable, et pourtant. Il a juste sauté des petites barres à 1m60, hein. Il n'a pas fait grand chose de sa vie, ce pauvre garçon. Non, Kevin est médaillé olympique, c'est un monument du sport hippique en France. Il est adulé par beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'équitation. Ma présence ici pour faire court, c'est de déjà partager le petit bout de chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant avec Vivaldi Jumping et montrer nos ambitions sur les différents projets à venir. S'il y a bien quelque chose dont ne manque pas Didier Crinq, ce sont des idées. Après l'écurie Racing puis Jumping, place à l'écurie Trading. C'est expérimental, on va essayer sur trois chevaux assez précoces, de les faire courir une fois et de les passer sur une vente publique pour essayer de faire... un retour sur investissement rapide et fructueux. Mais on travaille avec du vivant et c'est pas gagné d'avance. C'est une expérience. Si Vivaldi peut ouvrir ce nouveau chapitre de son histoire, c'est que les premières pierres de l'édifice sont solides. En peu de temps, Didier Crinq a réussi à transmettre sa passion vibrante à ses associés néophytes. Ils viennent souvent à l'écurie le matin tous ensemble, donc c'est vrai que ça fait du monde d'un coup et ça fait plaisir à voir des gens qui connaissent pas forcément les chevaux mais qui sont toujours avec des étoiles dans les yeux quand ils nous voient passer, donc c'est agréable. Il y a une belle effervescence, Didier Crinq amène beaucoup de tonicité à ramener beaucoup de propriétaires qui sont très intéressés, parfois plus expérimentés que d'autres, et franchement ça c'est plaisant parce qu'on peut partager notre passion, notre vie. On a vraiment fait une belle année et j'en suis très ravi, c'est très, très sympa. C'est différent d'un propriétariat lambda, on est au contact de plein de néophytes, c'est pas facile pour moi quand il y a les visites à la maison parce qu'il faut se rendre disponible, il faut jouer le jeu et c'est magnifique ce que fait Didier pour fédérer autant de passionnés autour des chevaux. La soirée célébrait donc les réussites accomplies et celles à venir. Tout est question d'avenir et l'écurie Vivaldi l'a compris en s'associant dès ses débuts avec Au-delà des pistes, qui œuvre pour la reconversion des chevaux de course. 15 000 euros ont été récoltés au profit de l'association lors de cette soirée.
C'est un de nos plus vieux partenaires qui ont retenu cette formule de donner un petit peu à chaque fois qu'ils gagnent une course. Et ça, on trouve que c'est vraiment très facile comme méthode de donner quand on gagne plutôt qu'une fois que le cheval ne vaut plus rien et doit partir à la retraite. Et puis voilà, ils nous soutiennent à travers des opérations comme celle d'aujourd'hui et on les remercie beaucoup. Je pense qu'on est quand même unis par cet amour du cheval. On fait une année exceptionnelle, quoi. On est à 10 victoires. Là, maintenant, on a peut-être avoir une 11e avant la fin de l'année. Du côté du jumping, on a notre très bonne Chepeta qui est revenue au haut niveau après avoir eu des ennuis de santé. Donc, c'est vraiment avec des espoirs dingues pour 2022. Donc, on pense qu'en 2022, on va vraiment s'éclater, quoi. Ouais.